Les baies sont équilibrées entre l'acidité et la sucrosité, donc je sais que dès demain, je vais pouvoir venir récolter dans cette vigne-là. Je m'appelle Benjamin Muller, donc j'ai 25 ans. Je suis vigneron coopérateur sur la commune de Mailly-Champagne. J'exploite aujourd'hui avec mon père à peu près 11 hectares. Quand les gens ouvrent une bouteille de champagne, c'est pour célébrer quelque chose. C'est la plus grande des fiertés que de faire un vin qui rend en fait un moment encore plus heureux. À la base, j'ai l'amour du vin. J'aime le déguster, j'aime en parler, j'aime le partager, j'aime le vendre. Mais sans de beaux raisins, on ne peut pas avoir de beaux vins. Et donc pour avoir de beaux raisins, il faut bien travailler ses vignes, il faut respecter son sol, son terroir. Et grâce à ça, on est pratiquement sûr d'avoir de très beaux vins. J'aime beaucoup la période de la vendange en Champagne. Pour moi, c'est déjà le résultat de toute une année de travail. Sur 10 jours, on ramasse tous les raisins de notre exploitation. Mais en plus de ça, je trouve que la vendange apporte un côté très humain. On accueille du monde, des gens viennent dormir chez nous, le village est animé, tous les coopérateurs se réunissent le soir pour faire les plannings des journées, pour boire un coup ensemble. Donc ce côté très humain, au final, c'est ce qui résume pour moi la vigne et le vin. Et donc la vendange est vraiment le résultat de tout ça. Je pense qu'on n'est jamais aussi indépendant qu'en coopérative, puisqu'on peut choisir ce qu'on a envie de faire. Si on veut faire des bouteilles, si on veut juste livrer nos raisins, ou si on veut travailler tous ensemble pour une marque de champagne, on a le choix de faire ce qu'on veut. Et je trouve que cette indépendance en coopérative fait sa force et est pour moi très importante. Je ne me lasserai jamais de ce paysage, puisque chaque saison, les couleurs de feuilles vont changer. On est sur des forêts en haut de village. Et cette mer de vignes tout autour qui vient englober le village champenois. Pour moi, c'est ce qui représente au mieux mon exploitation.